Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les folates et la vitamine B12. On va aborder maintenant les différentes sources de vitamine B12 et de folates. Mais avant ça, j'aimerais aborder certains faits très intéressants sur ces deux molécules. Le premier, c'est que on a déjà écrit que les folates sont issues de légumes à feuilles vertes. Déjà, le mot folate dérive de la racine latine folium, qui veut dire feuille. Lors de l'extraction de cette vitamine des feuilles vertes, cette dernière va se présenter sous forme d'une poudre cristallisée de couleur jaune à jaune orangé. Cette couleur est commune à toutes les vitamines du groupe B, à l'exception de la vitamine B12, qui, elle, est d'origine animale. Elle est produite par les micro-organismes, rappelez-vous, et cette vitamine a une couleur rouge foncé ou rouge acajou du fait du noyau de cobalt qu'elle compose. Cette couleur rouge, due à l'atome de cobalt, va donner une couleur rose bonbon à rose cerise lorsqu'elle est solubilisée dans l'eau. Je rappelle que toutes les vitamines du groupe B sont solubles dans l'eau. Et comme on l'a dit, la vitamine B12 est synthétisée par les micro-organismes. Et donc, logiquement, notre flore intestinale devrait synthétiser une grande quantité de vitamine B12 nécessaire à notre organisme. Sauf que cette synthèse a lieu dans le côlon en aval du site d'absorption de la vitamine B12. Et donc, la vitamine B12 synthétisée par notre flore intestinale est inefficace et inutile. Donc, les sources alimentaires de la vitamine B12 sont surtout des protéines animales. Les végétaux sont complètement dépourvus de vitamine B12. Donc, la vitamine B12 a pour origine le foie, la viande, bien sûr, les crustacés tels que les moules et les crevettes, les œufs, le lait et ses dérivés. Et donc, les végétariens stricts qui ne mangent ni fromage, ni bois de lait, ni des œufs vont développer une carence en vitamine B12. L'apport alimentaire en vitamine B12 est de 50 microgrammes par jour, alors que les besoins sont 6 fois moins, c'est-à-dire 2 à 3 microgrammes par jour. Donc, notre alimentation couvre largement nos besoins en vitamine B12. Les réserves sont surtout hépatique, où 3 à 4 mg de vitamine B12 est stocké au niveau du foie. Et donc, 3 à 4 mg de stock est suffisant pour assurer une réserve de 3 à 4 ans en cas de carence en vitamine B12. L'excrétion de la vitamine B12 est surtout urinaire. Contrairement à la vitamine B12, les folates ne sont présents que dans les végétaux, et surtout les légumes verts tels que la laitue, le brocoli, les choux-fleurs, etc. Et l'acide folique, ou les folates, résistent très mal à la cuisson, c'est-à-dire sont présents dans les aliments crus et les fruits secs ou les fruits frais. La levure de bière contient une quantité assez importante de folates, alors que les protéines animales sont totalement dépourvues de folate, à part le foie, parce que le foie est le lieu de réserve de l'acide folique. L'alimentation apporte environ 500 à 1000 microgrammes de folate par jour, alors que les besoins sont de 40 à 100 microgrammes par jour, donc 6 à 100 fois plus par rapport à la vitamine B12. Les réserves, encore une fois, sont essentiellement hépatiques. 10 à 15 mg de folate sont stockés au niveau du foie et cette réserve va s'épuiser en 3 à 4 mois en cas de carence. Encore une fois, l'excrétion de l'acide folique est essentiellement urinaire.